sommes aujourd'hui le dimanche 7 janvier et j'inaugure une série de 52 webinaires intitulée Les Galactiques 2024. Bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre d'une heure. Je suis Tim de Space News. Je suis en contact direct à l'écrit et en audio avec des lignées extraterrestres et mon contact principal, Zen, depuis 2016. Nous allons, dans un premier temps, poser les bases de l'histoire de l'humanité de l'époque prédiluvienne racontée par mes contacts extraterrestres, telle que cette histoire a été enregistrée dans leur base de données informatique. Alors, ce qu'on appelle sur Terre les registres akashiques. Ce ne sont pas des livres, ce sont des bases de données informatiques extraterrestres. L'histoire de la Terre relate des phases chaotiques après lesquelles notre humanité est arrivée au point de quasi-totale extinction et a presque complètement disparu. Elle a dû ensuite se redévelopper plusieurs fois, ignorante de ce qui l'avait précédé, un peu comme à notre époque où la grande majorité des terriens ignore le passé extraterrestre de notre planète, la présence d'extraterrestres sur Terre et en haute orbite terrestre, ainsi que les technologies avancées qui étaient utilisées dans les temps anciens sur Terre. S'il y a bien eu des bouleversements chaotiques géophysiques dont on trouve encore les traces sur des sites archéologiques, certaines formations géologiques ou des vestiges, une grande partie des catastrophes mentionnées dans les textes anciens, comme le déluge par exemple, les énormes quantités d'eau, les pierres et météorites, la poussière rouge, la substance visqueuse appelée goût qui tombait sur Terre, ne sont pas les conséquences naturelles d'une collision avec une météorite ou avec une planète plus petite. Ce sont, malheureusement, les conséquences de guerres et de conflits violents entre différentes lignées extraterrestres. Avant que la Lune ne soit pilotée en orbite, la Terre n'avait pas de Lune. Elle n'en a jamais eu d'ailleurs. Et l'eau du déluge ne venait pas d'une période chaotique qu'aurait traversée la Terre. La composition du système solaire de l'ère protolunaire était différente. Les autres planètes étaient plus proches du Soleil et la Terre était en relation électrodynamique avec une planète que voyaient nos ancêtres, mais que nous ne voyons plus. Il y avait bien une planète supplémentaire entre Mars et Jupiter. Ce n'était pas la Lune actuelle. C'était une planète essentiellement composée d'eau qui était beaucoup plus grande et dont la surface, donc d'eau, reflétait la lumière du Soleil. Elle était appelée l'étoile du matin, mais elle fut appelée aussi par la suite Hercolubus, Nibiru et la planète X dont on parle encore maintenant. Cette planète a porté de multiples noms comme Phéton ou Astra qui ont été attribués par différents groupes terrestres ou extraterrestres. Mais le nom le plus connu est Tiamat. C'est le nom qu'utilisent mes contacts extraterrestres pour la définir. Les bases de données non terrestres offrent un regard différent et plus étendu de l'histoire de la planète Terre, de notre système solaire et du cosmos en général. Mais tout n'est pas absolument en cohérence parce que chaque lignée extraterrestre a sa propre interprétation de ces événements. Il en va de même pour toutes les espèces. Les données diffèrent de la même manière, par exemple, que le déluge ou l'exode qui sont perçus par différentes peuplades seront racontées de manière différente. Ou alors, par exemple, comme de nos jours, un Américain décrirait la France d'une certaine manière, différente de celle d'un Chinois, même s'il parle du même pays. Au niveau stellaire, c'est également difficile d'obtenir des données uniformisées parce que la notion d'espace-temps est différente et non conventionnelle. L'espace-temps est relatif et les phénomènes simultanés. Il n'y a pas de temps qui se déroulerait sur une flèche. Il n'y a ni passé ni futur. Contrairement à nous sur Terre, tout se produit dans l'instant. Pour comprendre notre histoire, il est essentiel de prendre en considération les guerres et les migrations galactiques et cosmiques d'un point de vue stellaire. Le début des événements a commencé il y a des millions d'années dans un cosmos ancien et des guerres interstellaires appelées les guerres d'Orion. Elle a été appelée aussi la guerre d'un million d'années.
ou encore la Grande Expansion, qui était un vaste conflit entre de grandes lignées extraterrestres. On les appelle les guerres d'Orion en général parce que de nombreuses espèces de la même lignée de grands gris ou de reptiliens ont commencé à prendre possession d'une partie de la Voie lactée à partir de la constellation d'Orion. Même mes contacts ne savent pas exactement d'où ces lignées de la constellation d'Orion viennent à l'origine. Ils venaient d'un autre secteur de la galaxie, qui est immense, hein, la Voie lactée, ou d'un autre univers, et pour se déplacer, ils avaient emprunté des portails naturels. Lorsqu'ils sortirent du trou de ver dans lequel ils voyageaient, ils se retrouvèrent dans la constellation d'Orion. Et ils se mirent à coloniser le secteur proche, parce que c'est une lignée qui colonise, un peu comme nous d'ailleurs, parce que nous en dépendons aussi. Donc nous sommes aussi des colonisateurs. Et donc ils colonisèrent le secteur proche dans la constellation d'Orion, y installèrent des bases d'opérations et finalement développèrent des colonies qui forment maintenant un empire, qu'on appelle l'Empire d'Orion. Ils continuèrent leur conquête de nombreux secteurs de la galaxie et de planètes de ce cadran, et un jour, ils arrivèrent à la constellation de la Lyre. Le système solaire Vega a plusieurs belles planètes qu'ils convoitaient. Alors que cette invasion suivait son cours et que les populations étaient exterminées, les femmes et les enfants séparés, les hommes tués au combat ou par une force brutale et sauvage, ou utilisés comme esclaves, les Lyriens, qui étaient déjà interstellaires, s'enfuirent de leur planète et cherchèrent refuge sur d'autres planètes, et ils partirent en groupe, restreints, pour avoir plus de chances de survivre en petite communauté. Ils s'envolèrent donc vers d'autres systèmes solaires, principalement vers M33, la constellation du Triangle, M45, la constellation du Taureau, où se trouvent les Pléiades, et Sol 13, notre système solaire, où ils arrivèrent sur Terre en vaisseau spatial il y a 40 000 ans. Les Lyriens, qui ressemblent à des terriens, mais plus grands, plus musclés, et qui ont une plus longue espérance de vie, sont une partie de nos ancêtres, ce sont nos ascendants. Ils se développèrent en même temps que les Néandertaliens, les Denisoviens et les prédécesseurs, aux peuples anciens qui les considéraient comme des dieux. Donc il y avait d'un côté les extraterrestres qui arrivaient en vaisseau spatial et s'installaient sur Terre, et de l'autre côté, des proto-humains qui avaient été implémentés par les étortants dont c'est le travail sur une planète en voie de développement. Donc, les natifs que l'on pourrait nommer de proto-humains ou d'humains archaïques voyaient tout cela avec un regard étonné et considéraient ces extraterrestres comme des dieux. Les Lyriens, tout comme les Néandertaliens, vivaient principalement sous terre pour se protéger. Ils inscrivaient leurs origines dans les abris qu'ils occupaient, ainsi que leur système solaire et planète. Quand et comment ils étaient arrivés? Ce point explique le niveau de connaissances astronomiques que certains peuples que nous pensons primitifs ont laissé un peu partout dans le monde. Au cœur des grottes couvertes d'art pariétal ou de constructions sculptées directement dans le massif rocheux, par extraction, avec une technologie que les peuples primitifs ne possédaient pas. Par exemple, certains très anciens temples hindous ont été extraits des roches de cette manière, mais pas par sculpture. Les habitats étaient séparés, certains lieux appartenaient aux natifs autochtones néandertaliens, aux Denisoviens ou aux antécesseurs, et d'autres aux Lyriens, et par la suite aux Pléiadiens. Lorsqu'ils quittèrent leur planète, les Lyriens furent pourchassés par les envahisseurs, donc les habitants de la constellation d'Orion, et à leur tour, ces derniers furent poursuivis par des forces militaires qui avaient formé des alliances pour les arrêter et qui se sont transformées depuis en grandes fédérations, la Fédération Unie des Planètes, ensuite la Fédération Galactique ou encore la Fédération Galactique des Mondes. C'est un consortium qui comprend des terriens et des extraterrestres. Dans le feu de l'action, les deux côtés s'affrontèrent sur Mars dans une guerre intense et mortelle où chaque côté accusa de lourdes pertes. Des armes nucléaires et des technologies plasmiques avancées il y a plus de 40 000 ans furent utilisées et les ondes de choc des bombardements d'une force au-delà de toute imagination
affectèrent tout le système solaire jusqu'à Jupiter. Selon les textes anciens, les conséquences furent terribles des extraterrestres. Même eux considèrent que ça a été terrible et dévastateur. Jamais auparavant dans l'histoire interstellaire, une guerre n'avait atteint un système solaire de cette manière. Dans notre système solaire, des tas de choses se sont produites. La première, c'est que Mercure s'est rapproché du Soleil, a été vitrifié et s'est désertifié. Il a subi une déformation causée par le changement d'énergie dans tout le système solaire. Et d'un lieu de vie tempéré plein de vie, Mercure se transforma en une planète avec des températures extrêmes passant de plus 427 degrés Celsius à moins 183 degrés Celsius. Vénus fut inondée par l'eau de Tiamat dont je vais parler dans un instant, tout autant que la Terre, c'est pour ça qu'on a appelé ces inondations le déluge, mais l'eau ne venait pas de la Terre, elle venait de Tiamat qui se désintégrait. Et une intense activité volcanique densifia l'atmosphère de Vénus et la couvrit de nuages épais et opaques. Son orbite s'inversa et ralentit et elle tourne de nos jours dans le sens opposé à celui des autres planètes. Parfois appelée planète sœur de la Terre, Vénus a été un objectif privilégié pour les premières explorations et colonisations spatiales humaines terrestres du fait de son faible éloignement de la Terre. C'est la première planète visitée par un véhicule spatial qui était Mariner 2 en 1962 et la première où une sonde spatiale s'est posée avec succès qui était Venera 7 en 1970. Mars, donc où se sont tenues ces guerres violentes? C'était une planète similaire à la Terre qui avait une grande quantité d'eau liquide. Elle était couverte de forêts luxuriantes, pleines de vie. Elle fut détruite en grande partie par l'impact des armes plasmiques pour devenir ce que nous en connaissons de nos jours, une sphère aride et désertique avec des vents violents, une atmosphère presque absente, une gravité et un magnétisme réduit et avec un climat chaotique. Elle a encore une atmosphère, de l'eau et des formes de vie complexes. Tiamat, qui se trouvait la plus proche de Mars, avec l'onde de choc, ça a créé un déplacement des énergies sur la planète qui se déchira et se désintégra morceau par morceau. La partie solide devint la ceinture principale d'astéroïdes, essentiellement composée de glace et de morceaux de planètes, et la partie liquide, ainsi que des liquides qu'on appelle gouous, ferrugineux et visqueux, tombèrent sur les planètes avoisinantes, comme la Terre et Vénus, qui furent inondées par des quantités d'eau inimaginables, jamais jusqu'alors enregistrées. Ces épisodes furent appelés le déluge. La sixième et septième planètes, qui sont Jupiter et Saturne, se sont éloignées du Soleil, donc vers l'extérieur du système solaire, Sol 13. Ces deux planètes ont interverti leur position, donc Saturne a pris la position de Jupiter et Jupiter celle de Saturne. Saturne a été appelée ou est appelée Soleil noir parce qu'elle possède des portails naturels qui étaient utilisés par certaines races interstellaires régressives. Des religions ou des groupes occultes sur Terre font référence à Saturne comme d'un cube noir en raison des fréquences de la planète. Elle a une géométrie particulière qui totalise le nombre 6, 6, 6, que vous connaissez très bien, et un cube a également 6 côtés, d'où l'association symbolique avec un cube noir. Dans les années 1950, le soleil noir est devenu le symbole du mysticisme nazi composé de 3 croix gammées étroitement enlacées, soit 12 fois le caractère Sowilo de l'alphabet runique qui désigne Sol, la personnification du soleil dans la mythologie nordique. Et en dernier, mais c'est la troisième planète de notre système solaire, c'est-à-dire la Terre, qui a subi, comme vous le savez, des inondations, un déplacement des pôles et une période de glaciation. Cette suite d'événements provoqua un renversement des pôles sur Terre et une période de glaciation. Ce fut dramatique car cela produisit l'extinction quasi totale de la vie sur presque toute la Terre, ce qui pourrait expliquer le fait que des animaux aient disparu brusquement ou furent d'un seul coup figés dans la glace dans leurs activités quotidiennes comme certains mammouths.
Le magnétisme et la gravité terrestre perturbés entraînèrent également des glissements de la croûte terrestre, le déplacement de continents, le retournement de montagnes, donc les jeunes sont devenus anciennes et les anciennes ont pris la position des jeunes, et une activité volcanique massive avec des roches de la taille d'immenses bâtiments propulsées dans les airs. Les quantités d'eau qui tombèrent sur Terre provenaient non pas du chaos climatique qui était en cours sur Terre, mais de Tiamat. Plusieurs grandes parties de continents terrestres s'enfoncèrent et furent totalement submergées d'eau, comme l'Atlantide et la Lémurie. L'exode qui s'ensuivit, donc des populations sur Terre, et qui est mentionné dans un grand nombre de textes anciens, n'était autre que celui des populations survivantes qui se regroupaient et quittaient les basses plaines pour survivre en recherchant des endroits en altitude sur les montagnes. Voilà pourquoi, il y a environ 12 000 ans, quelques 5 siècles avant la désintégration de Tiamat, et faute d'autres solutions disponibles dans ce secteur spatial à l'époque, l'énorme biosphère artificielle andromédienne, qu'on appelle maintenant la Lune, fut placée dans le voisinage de la Terre et configurée pour stabiliser son orbite et son climat, stopper la destruction cataclysmique du biotope et les extinctions en masse sur Terre. Cette biosphère andromédienne avait été utilisée pendant les guerres d'Orion et de Mars, dont j'ai parlé un peu plus tôt, bien avant d'arriver, et elle était déjà très endommagée. Après sa mise en orbite, d'autres espèces stellaires l'attaquèrent encore une fois, ils piratèrent ses systèmes d'intelligence artificielle, puis, l'utilisant comme base avancée d'opération, ils se mirent à signer des traités avec plusieurs gouvernements terrestres. Nous verrons ces thèmes dans les webinaires qui suivent. J'ai terminé ma présentation, vous pouvez poser vos questions après avoir levé la main, je vous laisse. Je vous disais merci pour votre conférence. J'aurais aimé savoir si, malgré le fait que le déluge provient de Tiamat et toute l'eau qui a été déversée, est-ce que le déluge a été néanmoins provoqué ? Tout n'est que du hasard ? Non, ça n'est pas du hasard, puisque comme je viens de l'expliquer, le déluge, c'est la conséquence de la désintégration de Tiamat, qui était une énorme planète, cette fois plus volumineuse que la Terre, qui s'est désintégrée, et en se désintégrant, toute l'eau de Tiamat est tombée sur Vénus et sur la Terre. Et c'est cette eau qu'on appelle le déluge. Et en fait, le basculement des pôles, ça a un lien avec ça ? Oui, tout à fait. C'est la force des ondes de choc qui a complètement retourné la Terre, retourné les montagnes, inondé la Terre à cause de Tiamat qui se désintégrait. Et puis, c'est l'onde de choc plasmique surtout, hein, qui a vraiment tout impacté. Tout le système solaire a été impacté, pas seulement la Terre, hein, mais toutes les autres planètes aussi. Je vous remercie. Maria Elisa. Je voudrais savoir si le basculement est aussi une conséquence de ces guerres de Tiamat. Le basculement des pôles, le déluge, c'est à cause de la force des ondes de choc de cette guerre sur Mars. Et lorsque les armes ont été utilisées, ça a créé une onde de choc d'une telle puissance que d'abord ça a désintégré Tiamat, pas d'un seul coup mais petit à petit, et ça a fait bouger toutes les planètes, ça a inversé les pôles sur Terre. Et ça a tout retourné et tout s'est détruit, quoi, en quelque sorte. Hein. Tout ça, c'est à cause de l'onde de choc de tirs plasmiques qui ont eu lieu sur Mars. Franck ? Oui, bonjour à tous. Je voulais savoir, Tim, si le goût, cette matière visqueuse, était intelligente ou si c'est une matière inerte, ou est-ce peut-être ce qu'on appelle le pétrole ici sur Terre ? Non, ce n'est pas du tout le pétrole. En fait, le goût, c'est un peu comme le sang d'une planète. Donc, ce goût a été libéré par la destruction de Tiamat. C'est presque comme son sang, en quelque sorte. C'est un matériau vivant, doté d'intelligence artificielle, qui est tombé sur Terre. Il a différentes couleurs. Il y a du goût noir, du goût rouge et du goût vert.
Et l'un de ces goûts, qui donc faisait partie de Tiamat, qui était déversé sur Terre, a commencé à se reconstituer dans l'espace en prenant la forme de Tiamat. Mais donc, ça n'était que ce matériau, en quelque sorte, qui se reconstituait un peu comme une structure visqueuse et presque veineuse, je dirais, de la planète Tiamat. Et ça n'est pas du tout du pétrole, du tout, du tout. C'est intelligent, c'est doté d'intelligence artificielle. Oui, moi j'aimerais bien poser une question, Tim. Alors pourquoi cette guerre violente interstellaire s'est passée sur Mars et pas sur notre planète? Eh bien, parce que c'était une poursuite, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, c'était une poursuite. Donc c'était des colonisateurs qui venaient donc, après s'être installés dans la constellation d'Orion, colonisaient une grande partie du cadran de notre galaxie, et ils étaient eux-mêmes poursuivis par les alliés de la Fédération galactique qui essayaient de les attraper, et puis ils se sont installés sur Mars, et donc ont été suivis sur Mars. De là, cette violente guerre qui s'en est suivie parce que les autres lignées extraterrestres ne voulaient pas laisser cette partie du cadran se coloniser. Parce que si cette lignée orionnaise le faisait, eh bien, ce serait tout un système solaire qui aurait été complètement colonisé, et de là, il colonise d'autres, et puis de là, d'autres, et de là, d'autres. Donc, les autres lignées extraterrestres se sont alliées entre elles pour les combattre et les faire cesser de coloniser les planètes et une partie de notre Voie lactée, de notre système solaire aussi. Mais je dois dire qu'ils sont toujours là, ça n'est pas encore terminé. Tout ce que vous voyez actuellement se produire sur Terre, c'est en fait la fin de ces guerres galactiques d'Orion. Bonsoir Tim, est-ce que vous pourriez expliquer la connexion entre la planète Phaéton dont vous avez parlé dans les cours l'année passée et Tiamat? Quelle est la connexion entre Tiamat et Phaéton? Phaéton, c'est un ancien nom qui était donné à Tiamat et également Astra. Mais il y a une autre planète qui s'appelait aussi Phaéton, qui est devenue Alphrata, et donc la planète des Alphratiens. Mais ça, j'en parlerai dans un webinaire suivant lorsqu'on commencera à parler des sièges occupés par les différentes lignées extraterrestres au sein du Haut Conseil Andromédien, qui fait lui aussi partie de la Fédération Galactique et la Fédération Galactique des Mondes. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Mais au départ, Tiamat avait été appelé Phaéton. Et ensuite, on a enlevé ce nom. Ça s'est appelé aussi Astra. Puis elle s'est aussi appelée donc Tiamat. Moi, je la connais principalement sous le nom de Tiamat. Elena? Je voulais savoir, Tim, est-ce que vous avez les informations s'il y avait des survivants sur la Terre après cette explosion? Et si oui, est-ce qu'il a été sauvé par quelqu'un? C'est-à-dire que j'ai des infos que je n'ai pas relues, c'est que il y a eu plusieurs exterminations de ce type, hein, au moins 3 ou 4 sur Terre qui se sont succédées à différents moments. La Terre a été complètement vidée. Il y a une fois dont je me souviens où il restait une femme sur Terre, une autre fois où il en restait quelques-unes, une poignée, je ne sais plus si c'est 7, 6, 7 ou 8 femmes. Et la Terre a donc été repeuplée comme elle l'a été à chaque fois par les étortants et les jardiniers qui sont les Arcturiens. Les Arcturiens et les étortants sont les deux lignées extraterrestres qui s'occupent de terraformer les planètes quand elles sont prêtes à être habitées. Donc à chaque fois, ce sont des lignées extraterrestres qui ont repris la main sur une planète complètement exterminée, qui ne font pas forcément partie de celle qui la contrôle actuellement, bien qu'ils font toujours partie de la Fédération galactique néanmoins. Donc c'est assez complexe tout cela. Petit à petit, je pense que vous comprendrez au fur et à mesure des webinaires. Alors j'ai une question de Sophie. Vu que les civilisations qui nous observent depuis des siècles et des siècles sont très avancées, n'y en a-t-il eu aucune qui aurait filmé
certaines périodes de la vie terrestre, en particulier les modifications géographiques dont vous venez de nous faire part. Oui, absolument. Donc tout ça, en fait, il me semble que je l'ai déjà expliqué dans l'un de mes ouvrages, c'est que toute la vie sur Terre est enregistrée milliseconde après milliseconde pour chaque personne, chacun d'entre nous, et toute la planète évidemment, en même temps. Les ressources akashiques ne sont pas des livres comme la majorité des terriens le pensent, mais des bases de données extraterrestres extrêmement avancées qui contiennent tous ces éléments. D'ailleurs, Zen, lorsqu'il m'a fait passer toutes ces informations, lui pouvait les consulter sur les bases de données, les siennes d'abord, et puis ensuite celles de sa lignée ou les bases de données andromédiennes qui sont les plus avancées, je dirais. Donc oui, bien sûr, tout est enregistré, mais tout n'est pas forcément, comme vous le voyez, ça n'est pas forcément partagé sur Terre, ni en termes de vraies photos, encore moins de vidéos. Et moi, j'ai la chance d'être en contact audio avec un extraterrestre. C'est vraiment exceptionnel, parce que soit vous êtes abducté, et donc là, vous les voyez, vous pouvez parler avec eux, et si vous vous en souvenez, vous pouvez donc partager cela avec d'autres personnes. Mais dans mon cas, je n'ai pas été enlevée, donc c'est quelque chose qui est absolument volontaire d'un côté comme de l'autre. Et j'estime que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai partagé un enregistrement audio de Zen. Ce qu'on entend, c'est vraiment Zen, et pour vous montrer quoi que c'est possible de leur parler en audio. Alors Martine demande quel a été l'impact de ce goût sur la Terre, de quel goût? G-O-O. Donc le goût sur Terre, c'est ferrugineux. Donc le goût se nourrit un peu d'énergie, on va dire, de toutes les énergies qui sont émises par les habitants de la Terre. C'est comme ça que cette matière, on va dire, continue de se développer et de se développer dans des environnements qui ne lui sont pas forcément favorables. En fait, cette intelligence artificielle essaie de recréer la planète Tiamat là où elle le peut, donc que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Mais dans l'espace, Zen m'avait dit qu'elle commençait à recréer la structure de la planète Tiamat, même s'il n'y avait pas la physicalité. Question de François aussi, avant le déluge, les terriens pouvaient vivre des centaines d'années, comment est-ce possible? Parce que tout simplement, ça n'était pas des terriens. Tous les ancêtres dont on parle dans la Bible, qui ont 500 ou 600 ans, ce ne sont pas des terriens. Enfin, ce sont des terriens parce qu'ils se sont arrivés sur Terre, mais ce sont des lignées extraterrestres qui se sont installées ici et se sont mélangées les uns avec les autres et réussi à vivre ici avec beaucoup de mal, je dois dire, hein, au début. Et puis, c'est pour ça qu'ils sont tous aussi âgés. Ce ne sont pas des terriens à proprement parler, ce sont des extraterrestres qui sont arrivés ici et ont commencé à vivre et donc à se mélanger aussi avec d'autres lignées terriennes. C'est de là aussi, par exemple, d'où l'on parle des Elohim, qui sont des soi-disant des anges déchus. On en parlera dans l'un des webinaires. Ce sont des lignées extraterrestres qui sont arrivées aussi ici sur Terre, se sont reproduites avec des terriennes au bout, beaucoup d'adaptation génétique, hein, parce que normalement, les extraterrestres ne peuvent pas se reproduire, même s'ils peuvent faire de l'exercice en chambre, par exemple les Pléiadiens, c'est stérile. Marie-Véronique, y a-t-il un dôme au-dessus de la planète? Ça n'est pas un dôme en verre, ni un dôme comme vous l'entendez qui serait au-dessus d'une planète plate. La planète est en forme de sphère, c'est-à-dire de balle. Et le dôme qui est tout autour, ça n'est pas un dôme, c'est la bulle électromagnétique qui a été installée par la Fédération Galactique. Mais j'en parlerai cela, je pense que c'est dans le webinaire prochain, où je parlerai de l'installation de cette bulle électromagnétique autour de la Terre. Donc il n'y a pas de dôme, enfin pas de dôme en verre, ni en plastique, ni rien du tout. Ça n'est pas du tout, la planète n'est pas du tout plate avec un dôme dessus, pas du tout. C'est une sphère qui est dans une bulle, un peu comme, vous savez, vous mettez un objet dans une bulle d'eau, une bulle d'air que vous mettez à l'intérieur de l'eau. Eh bien, cette planète, c'est comme si elle était dans une bulle d'air.
Elena, est-ce que l'ADN des anciens terriens, donc des anciens astronautes en fait, hein, avant l'explosion, a été gardé ou y a-t-il eu une nouvelle modification, des modifications génétiques? Oui, il y en a eu. Martine, est-ce que je sais où se situe le goût sur la planète et de quelle manière il influence l'énergie? Je pense que c'est un peu éparpillé puisque c'est tombé un peu partout. Ce goût est tombé à la fois sur Terre et sur Vénus. Ce sont les deux planètes les plus impactées, on dira, par la désintégration de Tiamat. En fait, Tiamat n'a pas été détruite. Elle s'est détruite, elle s'est désintégrée sous l'impact de la force, de la puissance de frappe qui avait été utilisée sur Mars. Alors, c'est vous dire. Franck, allez-y. Oui, je voulais savoir si dans cette guerre qui s'est passée, Neptune a été également touchée, et si c'est pour ça que justement elle est couchée sur son axe et qu'elle tourne à l'envers. Oui, toutes les planètes que j'ai mentionnées, elle m'a dit jusqu'à Jupiter, et je pense que Neptune est après Jupiter, c'est l'une des planètes les plus externes du système solaire, donc oui, bien sûr, il se peut aussi que ça soit à cause de ça. Oui, c'est rétroversé. Mais Vénus, c'est pareil. Hein. Question d'Elena. Quelles races ont donné leur ADN pour les nouveaux terriens? Il y en a 22 en tout, que je ne peux pas nommer à l'instant, mais il y en a 22. C'est pour ça que notre ADN comprend 22 différentes lignées d'extraterrestres. En fait, nous ne sommes pas descendants directs des Lyriens. Nous faisons partie de ce que l'on appelle les humanoïdes célestes, tout autant que les Pléiadiens ou d'autres lignées qui ressemblent à des humains, c'est-à-dire, enfin à des terriens, c'est-à-dire un corps avec 4 membres, 5, 10 doigts, 10 orteils, une tête, etc., avec des cheveux, parce qu'ils n'en ont pas tous. Et donc il y a vraiment des lignées qui sont vraiment différentes, qui ont quelquefois l'air d'humains, mais ne le sont pas vraiment. C'est vraiment très étonnant, en fait. Et donc, nous faisons partie des humanoïdes célestes, c'est-à-dire qui toutes les lignées humanoïdes qui ont notre forme de corps et notre manière de penser, mais ça peut être vraiment très 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 différent aussi chez les extraterrestres, même s'ils ont une apparence terrienne. Grégoire, qui a lancé la bombe plasmique sur Mars? Ce sont des jets en fait, hein, des jets plasmiques. Il y en a eu pas mal, mais c'était surtout le résultat brusque plasmique, c'était tout un ensemble de guerres qui ont fini par s'accumuler et par atteindre toutes les planètes dans le système solaire de la manière dont je l'ai raconté. Martine, le pétrole de la Terre est-il une équivalence au goût de Tiamat? Non, c'est vraiment quelque chose de différent. On dit que le pétrole va s'amenuiser ou va s'arrêter, ça n'est pas tout à fait exact. Le pétrole est constamment produit par l'intérieur de la Terre. Donc c'est quelque chose qui est spécifique ici à la Terre, et ça n'est pas du tout le goût. Le goût, ça ressemble à un matériau ferrugineux assez collant qui s'adapte au magnétisme et qui peut se déformer, se reformer et changer à cause du magnétisme et de la gravité. Donc non, le pétrole n'est pas une équivalence du goût. Question de Lucie. La sphère autour de la Terre, est-ce que nos planètes y sont à l'intérieur ou elles sont à l'extérieur? Non, la Terre est à l'intérieur de la sphère. C'est-à-dire que cette bulle électromagnétique a été placée artificiellement et volontairement, consciemment, pour emprisonner les lignées reptiliennes et orionaises qui s'étaient installées ici et étaient en train de conquérir la Terre, ce qu'elles ont fait de toute façon. Mais ça les empêchait dans un premier temps de ressortir de cette bulle et de la Terre pour aller continuer de conquérir tout notre système solaire et le cadran solaire auquel nous appartenons. Donc nous sommes à l'intérieur, même encore actuellement, nous sommes à l'intérieur de cette bulle électromagnétique. Elena, y a-t-il une défense extraterrestre actuelle de la Terre contre la tentative de la nouvelle attaque? C'est une attaque qui dure depuis des millions d'années. C'est toujours les guerres d'Orion qui sont en train de se terminer. Hein, vous voyez, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est la fin de toutes ces guerres très violentes qui ont existé depuis des millions d'années et qui sont en train de se terminer. Donc, le contrôle, la gestion de la Terre
est effectué actuellement par ce que l'on appelle la Fédération Galactique des Mondes. Moi, je l'appelle la Fédération Unie des Planètes. La Fédération Unie des Planètes s'est dissoute. Il y a d'autres alliances qui se sont formées, qui ont créé la Fédération Galactique, puis c'est devenu de nouveau la Fédération Galactique des Mondes. Donc oui, c'est un consortium qui évolue, qui est composé d'élites terriennes et d'élites extraterrestres qui se rencontrent régulièrement dans des endroits dont je parlerai dans un autre webinaire. Donc c'est géré par un ensemble de terriens et d'extraterrestres. Maria Elisa, j'ai parlé d'autres périodes où il y a eu une extinction presque totale. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Pour l'instant, je ne m'en souviens pas comme ça, de but en blanc. Ce sont des documents qu'il faut que je ressorte, que Zen m'a confié, et il faudrait que je les relise ou que j'en refasse un webinaire. Vous savez que vous avez 12 possibilités de me donner des suggestions pour faire les 12 derniers webinaires de fin d'année. Donc si vous le souhaitez, je peux parler de cette période, mais seulement après avoir relu des documents, donc des enregistrements, des communications que j'ai eues avec Zen pour en reprendre connaissance. Parce que comme je ne les ai jamais présentés, eh bien, il faudrait que je les relise et que je les rassemble. Parce que tout ça, ce sont des communications, des petits bouts de communication ici et là, tous les jours, quelquefois pendant 12 heures. Et donc, quand dans une communication, on a beaucoup, beaucoup de morceaux, de choses différentes, de thématiques différentes, donc il faut que j'aille dans mes propres bases de données pour aller rechercher tous ces morceaux, les assembler, pouvoir faire un webinaire qui serait cohérent. Mais oui, la Terre est passée par plusieurs extinctions presque totales. Marie-Véronique, les continents sont-ils réellement positionnés comme nous les voyons sur les cartes? Oui. Oui, ils le sont actuellement. Mais vous savez qu'il y a, et ça n'est pas du tout la manière dont ils étaient positionnés dans les temps anciens. Il y a la tectonique des plaques et puis le mouvement des continents qui bougent, hein, qui s'éloignent les uns des autres et sont en train de se rassembler de l'autre côté de la planète. Donc tout bouge, ça n'est pas comme si ça reste toujours à la position. Question de Suzanne et Sylvain. Sylvain, y a-t-il des biosphères sur toutes les planètes de notre système solaire ou notre galaxie? Elles ne sont pas sur les planètes, elles sont dans l'espace. Les biosphères extraterrestres, ce sont comme des vaisseaux qui sont ce qu'on appelle en tout cas une biosphère spatiale extraterrestre. Ce sont des vaisseaux qui sont aménagés pour développer la vie, la faune, la flore, tout ce qui est forêt, lac, etc. Mais ça, je vais vous en présenter une qui est Viera, que je connais très bien, dans un webinaire suivant. Et il y a des biosphères, c'est-à-dire des vaisseaux biosphères, dans tout notre système solaire, oui. Souvent, les lignées extraterrestres ont leur propre biosphère qu'ils positionnent ici et là, quelquefois. Ça sert uniquement comme base d'information. Quelquefois, ils y vivent. C'est donc très, très diversifié. C'est selon les lignées extraterrestres. Pour Martine, avant le déluge, comment la Terre avait-elle une technologie avancée? Tout simplement parce que, avant même le déluge, il y avait déjà des lignées extraterrestres qui habitaient ici sur Terre. Et certains bâtiments que vous voyez qui sont des gros bâtiments de 50 ou 100 tonnes qui sont mis les uns au-dessus des autres avec des joints dans lesquels on ne peut même pas passer un papier à cigarette. C'est-à-dire que ça, c'est une technologie extraterrestre, même si on tente de vous expliquer que ça a été fait par des moyens. Par exemple, les Égyptiens n'avaient absolument pas cette technologie, donc il est impossible qu'à cette époque, avec les natifs qui existaient sur Terre, ils aient pu faire cela. C'est absolument pas vrai du tout, enfin, d'après ce que me disent mes contacts extraterrestres. Marie-Véronique, dans notre système solaire Sol 13, est-ce qu'il y a d'autres planètes où il y a de la vie en surface? Oui, absolument. Et ça, on va en parler, Marie-Véronique, dans les webinaires suivants, parce que certaines de ces lignées, qui sont par exemple Vénus, ou les agartiens sur Terre, ou les reptiliens, les artortans, etc., ont des sièges au sein du Haut Conseil Andromédien qui fait par Fédération Galactique des Mondes, ou la Fédération Unie des Planètes à cette époque-là. Donc on en parlera
au moment de ces webinaires quand je parlerai de la Fédération Galactique des Mondes. Je pense que c'est à partir du mois de juin ou juillet. Il y a plusieurs mois pendant lesquels je vais parler de ces 12 sièges et des 12 sièges par quelle lignée elles sont occupées. Et donc parmi ces lignées, il y a évidemment des planètes qui font partie du système, de notre système solaire. Elisa, la théorie concernant les dinosaures et leur extinction est-elle vraie? Pas d'après Zen. Non, il dit qu'il y avait bien des dinosaures, mais ils étaient tous de petite taille. Elena, y a-t-il des survivants de Tiamat, mais qui sont pas des natifs de Tiamat? Tout ce qui a été sur Tiamat a été désintégré. Martine, le conflit a donc aussi totalement exterminé la population de la planète Mercure. Oui, absolument, puisque Mercure est la première planète qui s'est rapproché du Soleil. Donc oui, tout a été exterminé, là, encore plus que sur les autres. Ce webinaire est terminé. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, à la même heure, pour un autre webinaire dont vous pouvez trouver les thématiques sur ma boutique sous Webinaire Galactique 2024. Et si vous déroulez la page, vous verrez que tous les thèmes des webinaires y sont inscrits date par date. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. À très bientôt.